Les enfants du rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman, avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Aujourd'hui, cette émission sera consacrée aux grands principes des kibbutzim. Dans notre dernière émission, nous sommes penchés sur la vie des kibbutzim au temps des pionniers et nous avons vu d'abord le rôle fondamental qu'ils ont joué à la fois pour la mise en valeur du pays et dans la défense de la Palestine puis d'Israël, et aussi la progressive instauration de règles de vie qui variaient évidemment quelque peu d'un kibbutz à l'autre, mais tout de même portées par quelques grands principes sur lesquels nous allons nous attarder aujourd'hui avec David Katarivas, dont je rappelle qu'il est ancien diplomate, journaliste, écrivain, et qu'il vit depuis 1974 au kibbutz de Hanita. Alors, quand on va dans un kibbutz et qu'on regarde les principes qui régissent la vie des kibbutzim, le premier de ces principes semble être l'égalité selon la formule de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. Oui, mais je crois qu'il faut avoir l'égalité. L'égalité, c'est une manière de traduire, c'est une volonté, un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, il y a des principes fondamentaux sur lesquels se base tout le comportement des gens du kibbutz et toute organisation du travail. Et le premier de ces principes, en dehors du principe de volontariat qui est immuable et qui est fondamental, le premier de ces principes, c'est la production commune. C'est-à-dire qu'au kibbutz, on ne travaille pas chacun pour soi, mais chacun travaille pour tous. Chacun apporte à la communauté, selon la formule habituelle, suivant selon ses moyens. Mmh. Mais c'est la production commune avec, naturellement, une propriété commune des moyens de production, c'est-à-dire tous les moyens de production sont la propriété de l'ensemble de la communauté et chacun travaille pour l'ensemble de la communauté, c'est le principe fondamental. Et chacun travaille. Chacun travaille, chacun apporte selon ses moyens physiques ou intellectuels ce qu'il peut apporter à la construction en quelque sorte de la communauté. Premier principe, alors ça va, homme, femme, jusqu'à un certain âge, tant qu'on peut travailler, un des problèmes qui se pose au kibbutzim, c'est d'obtenir que les gens s'arrêtent de travailler parce qu'ils veulent justement continuer à apporter leur contribution. Le pendant de ce premier principe, c'est la consommation commune. Alors c'est vrai, tout le monde, chacun travaille pour tout le monde, et tout le monde consomme le produit de tout le monde ensemble. Il y a donc consommation commune et non pas consommation individuelle. Et consommation commune, disons la manière la plus visible dont ça se traduit, c'est la salle à manger. Le kibbutz prépare la nourriture pour tout le monde et tout le monde prend la nourriture en commun. La fameuse salle à manger, c'est la salle à manger, le centre de vie du kibbutz quand même. Qui est le pôle, si l'on peut dire, de toute la vie, oui, de toute la vie du kibbutz. Et qui est l'expression la plus nette de cette volonté de consommation commune. Mais ça ne se traduit pas seulement par la consommation commune des aliments, mais c'est aussi la consommation commune du produit du travail commun. Donc, nous consommons ensemble tout ce que nous produisons, et ça se traduira aussi par les maisons qu'on construira, ça se traduira par le niveau de vie général du kibbutz, ça se traduira par le jardin d'enfants que l'on créera, ça se traduira par la piscine que l'on construira le jour où on aura moyen de construire une piscine, ou par la salle de conférence, ou par le musée, ou par tout ce qui viendra enrichir la vie culturelle, ou par le confort dont sera doté le moadon, qui est l'endroit où se réunissent les membres du kibbutz. C'est de la consommation, tout ça c'est de la consommation. Ça se traduira aussi par la location vêtements qui sera accordée à chacun des membres du kibbutz en fonction de la production commune. Donc, deux principes, production commune, consommation commune, chacun apporte selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Alors là, il peut y avoir effectivement une différenciation dans la consommation, dans la mesure où quelqu'un a des besoins plus grands. L'un des cas malheureusement classiques en Israël, ce sont les cas des jeunes mutilés de guerre, par exemple, membres, oui, de kibbutzim, qui ont été blessés pendant la guerre et qui ont des besoins plus grands, qui ont besoin d'un appartement dans lequel ils puissent éventuellement se déplacer dans un fauteuil à roulettes, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qui ont besoin de soins, bon, qui consomment beaucoup plus qu'ils n'apportent. Mmh. Mais le kibbutz est fait pour ça, pour permettre justement à ceux qui sont victimes physiquement ou intellectuellement de quelque chose de pouvoir continuer à bénéficier de tout ce dont ils ont besoin, quel que soit leur apport à la communauté. On peut donc, les besoins peuvent être différents
et personne ne trouvera de mal à travailler davantage pour quelqu'un qui travaillera moins parce qu'il ne peut pas apporter davantage mais qui a des besoins beaucoup plus grands. Donc cette égalité est effectivement de mise dans les kibboutz, mais attention, c'est une égalité qui n'est pas mécanique, hein, qui n'est pas mathématique. On sait très bien que les hommes ne sont pas égaux. On sait très bien qu'ils ne sont égaux ni physiquement, ni intellectuellement, ni quoi que ce soit, qu'il y a des inégalités physiques et intellectuelles. On s'efforce de diminuer les injustices naissantes de la vie en société. Oui. Les inégalités naissantes de la vie en société. Mais est-ce que, justement, cette notion d'égalité qui était quand même, bon, assez simple à réaliser quand, dans les années 20, dans les années 30, il y avait, ma foi, des gens issus d'une même structure sociale, d'une même structure d'âge, est-ce que maintenant, alors qu'il y a souvent plusieurs générations qui coexistent au kibboutz, alors qu'il y a des gens qui viennent d'horizons culturels fort différents, est-ce que cette égalité, même si j'entends bien qu'elle n'est pas mécaniste, n'est pas tout de même plus difficile à réaliser ? C'est vrai, quelqu'un disait qu'il est beaucoup plus facile de tout partager quand on n'a rien. Exactement. À partir du moment où on a un certain nombre de choses, le partage de tout devient plus difficile. Et je crois que ce qui est paradoxal, c'est que la réussite du kibboutz, c'est-à-dire la réussite du collectivisme, se traduit par la renaissance des instincts individualistes et des instincts de propriété personnelle. Au départ, effectivement, les gens avaient renoncé à toute propriété personnelle, ou presque. Les premiers membres des kibboutzim n'avaient même pas une chemise à eux. Le vendredi, ils jetaient leur chemise à la buanderie, et puis on leur en donnait une pour le Shabbat, et c'était tantôt une chemise, tantôt une autre. Les gens n'avaient pas leur propre chemise. Et cette anecdote fameuse, d'ailleurs, qui dit qu'un kibboutznik fit scandale lorsqu'il demanda à l'Assemblée Générale s'il pouvait avoir une bouilloire pour se faire du thé chez lui. Exactement. C'était de l'individualisme et du particularisme, et ça signifiait la fin du kibboutz. Bon, alors on en est revenu. Donc, il y a quand même une évolution. Il y a une évolution. Aujourd'hui, les gens ont des biens qui leur appartiennent. Les appartements ne sont plus meublés exactement avec les mêmes meubles en bois blanc qui étaient fabriqués par la menuiserie du kibboutz, mais les gens ont une allocation ameublement qui leur permet de se meubler suivant leur goût. Il y a une différenciation dans la consommation qui est, je crois, la caractéristique aujourd'hui des kibboutzim. David Katarivas, mis à part ce principe fondamental d'égalité dont nous venons de parler, quels sont les autres principes ? Bon, on peut dire que l'égalité, c'est le pivot autour duquel tourne un certain nombre de choses. Il y a une espèce de triptyque. J'ai l'habitude de dire que le kibboutz, c'est la seule société qui a pris vraiment à la lettre le slogan de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Égalité étant le pivot et les deux autres éléments du triptyque étant liberté et égalité. Selon, vous savez qu'en hébreu, on écrit de droite à gauche. Alors, les Israéliens, au départ, ont mis d'abord la fraternité, ensuite l'égalité, après la liberté. C'est-à-dire que l'essentiel, c'était le commun, la vie en commun, la fraternité, l'assistance des uns aux autres, le partage des choses des uns avec les autres. Ensuite, avec comme objectif arriver à une certaine égalité, et ils étaient prêts à sacrifier une partie de leur liberté. Et effectivement, quand on fait la description de la vie du kibboutz, elle paraît tellement idéale, on se demande, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas un prix à payer pour cela ? Il y a un prix à payer. Le prix à payer, au départ surtout, c'était renoncer à une part de sa liberté personnelle, au profit de la collectivité. Mmh. Savoir que les décisions, on ne les prenait pas soi-même pour soi-même, c'était les autres qui prenaient des décisions pour vous, et accepter que les autres prennent des décisions pour vous. Accepter que les autres règlent votre mode de vie. Accepter que les autres règlent les conditions dans lesquelles vous viviez et ceux dont vous disposeriez. C'était un sacrifice de la liberté. Que la volonté générale, enfin. Oui, la volonté générale. Les gens étaient prêts à faire plier leur volonté personnelle devant la volonté générale, de renoncer à leur liberté personnelle au profit de la communauté, au profit de la collectivité. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce que ce ne sont plus les générations des fondateurs. Elles n'existent plus. Ça n'est même plus la deuxième génération, ça n'est même plus la troisième, c'est déjà parfois la quatrième génération. Or, il est bien évident que ces nouvelles générations n'ont pas les mêmes motivations. Si les premiers rêvaient d'une société nouvelle, si les premiers avaient un idéal socialiste, on peut dire qu'à partir de la troisième et de la quatrième génération, restent au kibboutz des jeunes, parce que finalement ils choisissent de rester, donc ils acceptent ce mode de vie. Mais ils l'acceptent non pas pour des raisons socialistes, je dirais presque pour des raisons écologiques.
Il l'accepte parce que c'est un mode de vie d'une certaine qualité. Il y a une qualité de vie au kibboutz que l'on n'a pas ailleurs, et beaucoup de jeunes restent au kibboutz pour cela. Beaucoup de jeunes restent au kibboutz parce que c'est beaucoup plus simple, parce que c'est beaucoup plus facile. C'est la maison, c'est l'endroit où ils ont été élevés, c'est l'endroit où vivent leurs parents, c'est l'endroit où ils sont sûrs de trouver du travail, c'est l'endroit où ils sont sûrs d'avoir un appartement, alors que à l'extérieur, trouver un appartement, trouver du travail, ça pose des problèmes. En restant au kibboutz, il n'y a pas de problème. C'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de jeunes des kibboutzim, par exemple, acceptent de prolonger leur service militaire, de signer pour encore une période de service militaire, en particulier dans l'aviation. Vous savez que la plupart des pilotes de l'armée de l'air sont des jeunes des kibboutzim. Ils peuvent se permettre de faire un service militaire beaucoup plus long parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils auront terminé, en revenant à la maison, il n'y a pas de problème. Ils auront un appartement, ils auront du travail. Alors qu'un jeune, après ses 3 ans de service militaire, s'il prolonge sa période de service militaire et s'il commence à faire des études alors qu'il a 27, 28 ou 30 ans, il aura du mal à s'intégrer dans la société. Donc, beaucoup de jeunes restent au kibboutz par commodité. Alors, est-ce que justement, cette nouvelle volonté qui conduit à rester au kibboutz... Alors, à partir du moment où c'est par commodité, où il y a beaucoup moins d'idéal socialiste qu'il n'y en avait au départ, le principe de la fraternité absolue est parfois remis en cause, et certains jeunes finissent par se demander, enfin, pourquoi est-ce que moi, je dois travailler pour lui ? Pourquoi est-ce que moi, je dois m'imposer des sacrifices pour qu'un autre en profite ? L'idée de solidarité absolue entre tous les membres du kibboutz est parfois remise en question par des gens qui, encore une fois, n'avaient pas l'idéal des fondateurs, et leur liberté personnelle leur apparaît comme beaucoup plus importante. Il y a un nouveau terme aujourd'hui dans le vocabulaire des jeunes de kibboutzim qui s'appelle la réalisation individuelle. Les gens veulent se réaliser individuellement, alors qu'autrefois l'objectif c'était la réalisation collective. Alors est-ce que c'est pas antithétique avec est-ce que c'est pas antithétique justement avec... Ça risque de l'être. C'est une des évolutions actuelles du kibboutz. C'est un des problèmes qui se pose au kibboutz d'aujourd'hui, et c'est ce qui différencie le kibboutz d'aujourd'hui du kibboutz il y a quelques années, où effectivement ce genre de questions ne se posait pas. Il faut dire aussi que une certaine éthique du travail, une certaine morale, une certaine forme de moralité qui était peut-être commune à l'ensemble des gens dans les premières années de l'aventure pionnière et dans les premières années de l'État d'Israël n'existe plus. Qu'on le veuille ou non, Israël est devenu une société de consommation à l'occidentale, dans laquelle un certain nombre de valeurs qui ont été prisées dans les kibboutzim n'ont plus cours aujourd'hui. Pour être brutal, je dirais presque, aujourd'hui, on court des valeurs boursières et non pas des valeurs telles qu'on les connaissait à l'époque. Et les kibboutzim sont un peu déphasés par rapport à la société. Alors qu'autrefois, ils étaient moralement soutenus par l'ensemble de la société, qui les considérait un peu comme l'élite, qui voyait en eux le modèle. Même les gens qui vivaient dans la ville savaient qu'il y avait au moins les gens des kibboutzim pour réaliser l'idéal. Si eux ne le réalisaient pas, il y avait les gens des kibboutzim pour réaliser cet idéal. Mais aujourd'hui, ce n'est plus leur idéal. Alors, est-ce que ça influe sur la formulation des critiques ? Bien sûr que ça influe sur le comportement des jeunes dans les kibboutzim. Ils ont l'impression qu'aujourd'hui, on les méprise un peu, que le type de la ville considère le kibboutznik comme un boy scout un peu attardé. Mais pour reprendre le triptyque que vous citiez, justement, ça se fait au dépens de la fraternité, et c'est la liberté qui est aujourd'hui mise en avant. Le principe d'égalité reste encore plus ou moins, mais tout ce qui était fraternité, tout ce qui était consommation commune, par exemple, est en train de s'effriter dans une certaine mesure, parce que les gens veulent davantage de liberté, davantage de choix dans la consommation, au point que dans certains kibboutzim, on remet même en question l'existence de la salle à manger commune. Enfin, nous reviendrons justement sur les dernières mutations et sur les évolutions du kibboutz aujourd'hui dans une autre émission, mais est-ce qu'il n'y a pas eu, par rapport à ces principes, des érosions de ces principes qui venaient du kibboutz lui-même, bien avant même qu'on atteigne la troisième ou la quatrième génération?
Alors, je voudrais revenir justement sur ces érosions aux principes fondamentaux des kibboutz qui se sont faites bien avant donc les troisième et quatrième générations. Et en premier lieu, une question moi qui me tourmente un petit peu, enfin bon, dans une certaine mesure tout de même, c'est la question des salariés, parce que le kibboutz qui est censé ne pas exploiter le travail d'autrui emploie tout de même des salariés, et ce dès après 48. Emploie ou employé, il y en a encore quelques-uns, mais effectivement c'est un problème qui s'est posé. Bon, il faut faire un peu d'histoire. Après la création de l'État d'Israël, il y a eu une vague d'immigration énorme. Des masses d'immigrants ont été concentrées dans des ma'abarot, des centres de transit, qui très souvent étaient proches de kibboutzim. Or, il y avait dans les kibboutzim du travail, mais il n'y avait pas assez de gens pour faire tout ce travail dans les kibboutzim, et il y avait à côté des kibboutzim des gens qui étaient chômeurs, mais qui ne voulaient pas aller au kibboutz, pour lesquels la vie en collectivité n'était pas du tout envisageable. Beaucoup de ces gens sont arrivés dans une espèce d'élan messianique, mais avec aucune formation socialiste. Et pour eux, l'idée de tout partager, de tout mettre en commun, de n'avoir rien à soi, de vivre en communauté, c'était pas du tout ça. Enfin, c'était pas comme ça qu'ils envisageaient leur vie. Moi, j'ai vu des tas de jeunes qui disaient, mais quel avenir est-ce que j'ai au kibboutz? Enfin, ils n'envisageaient pas du tout d'aller au kibboutz. Alors, il y avait cette espèce de décalage. D'un côté, un endroit où il y avait du travail, personne pour travailler. De l'autre, des gens qui auraient pu travailler, mais qui n'avaient pas de travail. Au point d'ailleurs que Ben Gurion lui-même avait violemment attaqué les kibboutzim en leur disant « Mais vous ne prenez pas votre part de l'intégration de l'immigration. Qu'est-ce que vous faites en fait pour intégrer les immigrants ? Rien. Les immigrants n'allaient pas au kibboutz, ou très peu allaient au kibboutz, donc vous ne faites rien pour intégrer les immigrants. » Et il les a presque obligés à donner du travail aux gens qui habitaient dans les ma'abarot, aux immigrants. Alors on a cherché des formules un peu tordues, c'est-à-dire c'était pas le kibboutz qui engageait les gens, il y avait un organisme central qui engageait les gens, qui les mettait à la disposition du kibboutz pour qu'ils travaillent, le kibboutz payait à cet organisme, qui lui à son tour payait les immigrants qui avaient travaillé dans le kibboutz. C'était un peu compliqué, hypocrite. Bon, c'était un système indirect et hypocrite. Jusqu'au moment où, effectivement, certains kibboutzim, dans cette volonté de participer au développement du pays, ont créé des entreprises, en particulier des entreprises industrielles. Et le propre de toute entreprise industrielle, c'est de développer, et il faut de la main-d'œuvre. Et les kibboutzim n'étaient pas en mesure de fournir la main-d'œuvre. Il n'y avait pas suffisamment de gens. Nous, à Hadita, nous avions un petit atelier de mécanique qui est devenu une usine de métallurgie. Il fallait des ouvriers. Alors, on a engagé de plus en plus d'ouvriers. On a d'abord commencé par dire, bon, alors, il y aura une limite, il y aura 25% d'ouvriers et 75% de membres du kibboutz. Et puis, finalement, il y a eu des kibboutzim dans lesquels on est arrivé à 25% de membres du kibboutz et 75% d'ouvriers salariés. Au point que certains kibboutzim, comme le nôtre, par exemple, se sont demandé un jour, est-ce que nous sommes un kibboutz qui a une usine ou est-ce que nous sommes une usine qui a un kibboutz? Il a fallu résoudre la question, il a fallu répondre à la question, décider que nous étions un kibboutz, mais nous n'aurions plus cette usine. Et beaucoup de kibboutzim ont effectivement vendu leurs entreprises industrielles pour ne pas devenir des patrons exploitant le travail de dizaines ou de centaines d'ouvriers salariés. Alors nous avons vendu notre usine de métallurgie pour la remplacer par deux nouvelles entreprises qui sont des entreprises très modernes, donc robotisées, dans lesquelles ne travaillent que des membres du kibboutz, parce que nous ne voulions plus employer de salariés. Oui, parce que de surcroît, enfin, cette coexistence entre membres du kibboutz et salariés pose quand même de nombreux problèmes. Ça posait des problèmes. À l'accession au poste de responsabilité, notamment. Oui, d'abord, le fait d'être responsable, en quelque sorte, de la vie de centaines de familles vivant hors du kibboutz, et surtout sur le plan des principes. C'était s'enrichir par le travail d'autrui, ce qui était absolument contraire à tous les principes du kibboutz. Mais c'était aussi... C'était un impératif en raison de la vague d'immigration. De même que d'autres choses ont évolué au kibboutz. Par exemple, les premiers temps, les jeunes des kibboutzim n'envisageaient absolument pas de passer leur baccalauréat, leur bachot. Enfin, ils faisaient 12 années d'études, dont 8 de secondaire, mais ils ne voulaient absolument pas passer de diplôme. Ça n'était pas sanctionné par un diplôme, ça les intéressait pas. L'instruction, oui, l'éducation, la culture, oui. Le diplôme, non, ils n'en voulaient pas. Jusqu'au jour, un certain nombre d'entre eux ont voulu faire des études supérieures, et pour entrer à l'université, il faut le diplôme. Et les kibboutzim étaient intéressés à ce que les jeunes aillent à l'université, parce que de plus en plus, il y a des possibilités professionnelles qui s'ouvrent dans les kibboutzim, en particulier avec l'industrialisation. Alors aujourd'hui, la plupart des jeunes des lycées des kibboutzim se préparent pour le bachot, il y a même parfois du bachotage, parce que les jeunes veulent passer leur baccalauréat et avoir un diplôme quand ils terminent leurs études secondaires, ce qui n'était pas du tout leur préoccupation autrefois.
Donc, les choses ont changé, encore une fois, parce que le kibbutz a changé de l'intérieur, et aussi parce que la société autour du kibbutz a changé, a évolué. Alors, tout compte fait, si on devait faire un tout petit bilan, justement, sur cette ouverture sur la société israélienne, sur les métamorphoses du kibbutz, est-ce que, tout de même, aujourd'hui, depuis que les kibbutz donc, ont été créés, les kibbutzim, est-ce que, tout de même, il reste quand même certains principes fermes auxquels on ne saurait déroger? Bon, alors je crois que ce qui reste fondamental et auquel on ne touche pas malgré toutes les réformes à l'heure actuelle, c'est le principe de la production commune. C'est le fait de travailler ensemble. Vous savez qu'il existe une forme intermédiaire entre le kibbutz et le moshav, qui est la forme individuelle d'activité agricole, de production individuelle et consommation individuelle. Il y a ce qu'on appelle le moshav shitoufi, où la production est commune et la consommation individuelle. Alors, c'est peut-être la forme vers laquelle le kibbutz ira, j'en sais rien. Quand on pose la question que deviendra le kibbutz, c'est une éventualité. Et d'ailleurs, les moshavim shitoufim sont affiliés à la fédération des kibbutzim, donc ils se sentent proches des kibbutzim. Ça peut être effectivement une des formes, mais pour l'instant, ce à quoi on ne touche pas, c'est la production commune. Donc travailler en commun, vivre en commun, nous aurons l'opportunité de revenir sur le fonctionnement même du kibbutz, sur la vie au quotidien du kibbutz. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que demain, c'est Michal Gantz, délégué du mouvement des kibbutz auprès de l'agent juif, qui sera là pour répondre en direct à toutes vos questions. Nous nous retrouverons quant à nous la semaine prochaine pour une émission consacrée toujours, donc en compagnie de David Katarivas, à la vie quotidienne au kibbutz. C'était Les Enfants du Rêve, une histoire du kibbutz, série d'émissions proposée par RCJ, présentée par Ruth Zilberman avec David Katarivas, en collaboration avec Michal Gantz. Ce feuilleton a été réalisé avec le concours de Voyages et Découvertes.